Non, je n'ai pas vu, mais... Quel est le dernier film que vous avez vu? American Sniper. American Sniper. Ah, je suis un peu retardée, en fait, avec les sorties. C'est comment, American Sniper? Moi, j'ai trouvé assez intéressant, en fait. Je suis pas d'accord avec les critiques qu'on a faites, comme c'est militariste et tout ça. J'ai trouvé ça un film intéressant, en fait. Mais tu vas voir que les films, on tire un coup, toi, en fait. Il y en a plusieurs, en l'occurrence. Ah ouais. Il paraît que c'est bien, American Sniper. C'est très mauvais d'un point de vue cinématographique. C'est un navet absolu, mais l'histoire est intéressante. Non, Clint Eastwood fait des beaux films. Clint Eastwood, c'est toujours des navets. Ah non, c'est des bons films. Il fait des films magnifiques, Eastwood. Il est meilleur réalisateur qu'acteur, je trouve. C'est pour vous, c'est le cinéma américain pour vous, quoi. C'est les mains américains pour l'Amérique profonde, quoi. C'est ça, pour des cons. Je sais pas comment je peux rester assis entre vous deux. Peut-être qu'il faut y aller. J'ai peur que ça me pollue. T'en as dit des conneries, Pierre, mais c'est là le mérite l'Oscar. Hein. Ouais. Pourquoi vous n'aimez pas Clint Eastwood? Parce que c'est de la connerie, c'est pas bien, c'est un truc... Non mais cinématographiquement, c'est très bien. Je dis pas que moralement, c'est bien. Non, c'est le contraire. C'est moralement qui est intéressant et cinématographiquement est mauvais. Pas toujours. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non. C'est sûr. C'est pour ça que je peux en parler. C'est pour ça que je peux en parler sans être obnubilé par des... C'est extraordinaire ce talent quand même pour ramener sa gueule pour un truc que je n'ai pas vu, donc je... Mais là, j'ai vu d'autres films de lui. Ah oui, lequel, par exemple? Le truc du cow-boy, là, comment ça s'appelait? Ah, mais il y en a 22. Impitoyable. Impitoyable. Non, le truc là, italien là. Impitoyable, le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute et le truand. Il en a fait. Mais c'est pas un film d'autres. C'est pas un film de Clint Eastwood. C'est pas lui, c'est Sergio Leone. Mais tu sens déjà. Tu t'es déjà ridiculisé en disant que les Beatles c'était du bal musette. Maintenant tu récidives avec Clint Eastwood. C'est beaucoup plus grave. Il va y avoir les infirmiers qui vont venir t'en cabaner là. Qu'est-ce qui est beaucoup plus grave, Pierre? Les Beatles c'est beaucoup plus grave qu'un bal musette. C'est ceux qui ont tué la musique. Ils s'enfoncent. Ah, yesterday. Les Beatles. Ça a abruti. Ça a fait sur le monde musical le même effet que le kiff que le hashish a fait sur la jeunesse. Ça les a rendus plus cons. C'était le quart d'heure du vieux con.